Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mesdames et messieurs. Très heureux de vous retrouver sur Farmbus Simulator. Et du coup, nous sommes partis aujourd'hui en Neoplane Skyliner. Voilà, on switch un petit peu. Neoplane Skyliner, Malion Scotch. Neoplane Skyliner, Malion Scotch 15 mètres. Neoplane Skyliner, on revient en Malion Scotch. Voilà, j'essaie de skip un petit peu. Et du coup, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nouveau repaint fait par Yannick. Une fois de plus, des bus verts du Calvados. Voilà, le Calvados, donc capitale, enfin. On appelle pas ça une capitale, on appelle ça un chef-lieu. Chef-lieu du Calvados Caen. Du coup, c'est dans le nord. Voilà, donc petite dédicace au nord-ouest. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un peu dans l'ouest, mais bon, c'est pas vraiment du côté de chez nos amis les Bretons. Du coup, let's go, c'est parti. Jbung, jbung, jbung. La petite radio, elle est bien gentille. Oula, oula. Excusez-moi, vos oreilles, excusez-moi. Petite erreur dans le mélangeur de volume. Je sais que vous m'en voulez beaucoup. Voilà, nickel. Du coup, jbung, 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 jbung. On est parti. Aujourd'hui, on est à Munich. Et on va aller jusqu'à... De mémoire, on fait Nuremberg, Wurzburg. Du coup, encore une petite vidéo. Donc, enfin, un petit trajet qui se fera en deux vidéos. Du coup, il est actuellement 15h et des poussières. Donc, 14h46. Et let's go, ligne 14. Direction, comme vous pouvez le voir, Wurzburg. Let's go, c'est parti. On n'a eu aucune mise à jour de Farmbus Simulator récemment. Donc écoutez, on en est toujours au stade de la bêta de la mise à jour du mois de juillet ou juin. Je ne sais plus, par contre, le GPS, là, ce serait bien qu'il s'affiche au bout d'un moment. Je ne sais pas où... s'il veut bien. Il n'y a pas l'air de vouloir s'afficher. Où est l'arrêt? L'arrêt est là. On ne va pas au bon endroit, on risque de rencontrer un mur invisible dans quelques instants. Donc GPS il veut vraiment pas. Hein. GPS il veut pas pour le moment, bon c'est pas grave, on va faire ça. Hop. Nickel. Alors là on ne va pas passer mais on monte un peu sur le trottoir, c'est pas grave. Hop. Dans la délicatesse. Et la finesse, nickel. Let's go, c'est bon, le GPS est là. Du coup, voilà, on en est toujours au même endroit, voilà, au niveau des mises à jour Farmbus, etc. Il y a la bêta de la mise à jour qui est censée corriger notamment le bug du menu pause, voilà, où je suis dans mon siège. Donc ça devrait être corrigé pour donc la mise à jour bêta qui a été déployée début juillet. Là, on est début septembre, toujours rien, donc on attend. On attend, et en plus on a des DLC, donc une fois de plus, hein, je vous répète, le DLC Freedom qui sera gratuit, qui rajoutera des îles en Allemagne, ainsi que des nouveaux objets, végétation, etc., des passages à niveau. Donc ça, ce sera gratuit. Ensuite, on aura un DLC France, Autriche et Suisse, donc des DLC séparés, hein, je pense, donc on aura 3 DLC au niveau de ça, plus un DLC Cetra et un DLC VDL. Donc tout ça, ça a été annoncé fin juillet, début août. Donc ça a été annoncé, je vous ai fait une vidéo un petit peu de tout ce qui allait arriver. Et du coup, on n'a pas de date de sortie, mais je pense que fin de l'année, voilà. Fin de l'année, alors quand je dis fin de l'année, c'est pas novembre. Hein. Fin de l'année, je pense bien mi-septembre, mi-décembre, pardon. Donc à mon avis, ça va arriver dans un peu de temps quand même. Vali Valou. Du coup, petit Neoplane Skyliner, pour ceux qui ne se souviennent plus du bus ou qui ont, pardon, du car et qui ont rejoint la chaîne, écoutez, voilà, intérieur boisé, bien luxueux, car double étage, avec toit panoramique, ici à l'avant, on a une vue magnifique, et les petits escaliers, etc., là, on a des trucs pour se restaurer, un petit lavabo, là, c'est l'accès à la soute, voili, voilou, en tout cas, s'il y a des nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et par contre, j'ai peut-être loupé mon feu, moi. Attendez, on va juste configurer ça. Au moins, comme ça, ce sera fait. 22 degrés, le petit panneau passager, le petit klaxon. Nickel. Et là, en fait, c'est vrai que voilà, l'inconvénient de ce Neoplane Skyliner, c'est que, comme vous pouvez le voir, on voit pas bien au-dessus. Si vous voulez, notre zone de pare-brise est très restreinte. Et du coup, on voit pas grand-chose. On voit pas grand chose, donc il faut éviter de trop s'approcher si vous voulez des feux. Donc en effet, hein, j'ai bien loupé mon feu. En fait, ça devrait être là juste après ceux qui vont tout droit.
en fait j'ai loupé le feu quand je vous ai présenté le car. Mais voilà, s'il y a des nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne, et bien écoutez, bienvenue à vous, merci à tous. On est actuellement à 15 400 abonnés et des brouettes, donc merci beaucoup à tous et bienvenue au nouveau. Voilà, hop, nickel. Du coup, nous sommes à Munich, on va chercher nos petits passagers. Alors à la gare, où je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si c'est une gare routière, une gare comment on appelle ça, une gare ferroviaire, voilà, je cherchais le mot, je ne sais pas, ça dépend de la grandeur de la ville, mais Munich c'est quand même assez grand, donc il y a moyen que ce soit une gare ferroviaire. Après c'est peut-être, voilà, si vous voulez, on a plusieurs échelles en termes de ville. Généralement on a, donc le plus gros c'est l'aéroport de Francfort, donc où il y a donc directement l'aéroport et on arrive au niveau des terminaux. Voilà, ensuite on a la gare ferroviaire, donc ça va être une gare ferroviaire avec à côté généralement une gare routière. Voilà, après on a des gares routières simples, et enfin pour les plus petites villes on a juste un arrêt de bus, donc soit délimité, donc bien délimité avec voilà, avec un beau marquage, ou alors soit un arrêt de car directement sur la route, hein. Ça existe. Voilà un petit peu les différents niveaux d'arrêt qu'on a. Ouais, je crois qu'il y avait un accident là-haut. Et du coup, là, on a l'air de partir sur une gare routière. Ouais, j'ai l'impression que c'est qu'une gare routière. Alors du coup, là, on est obligé de passer à gauche. Je sais pas lequel c'est ici au niveau du quai. Donc vous m'excuserez, on va juste mettre le petit affichage de la zone d'arrêt de bus. Nickel. Parce que je sais pas du tout où c'est. Ici Munich c'est une gare qui est quand même très spécifique. J'ai pris large comme je sais pas quoi. Mais ouais non, ici c'est que gare routière. En tout cas la livrée donc des bus verts du Calvados, elle est franchement sympa, c'est propre, en blanc comme ça. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de prendre. Donc c'est cool. À quoi que c'est peut-être pas uniquement routier là, il y a peut-être. Non si c'est un pont. Non, c'est uniquement une gare routière ici. Petites voitures qui sont à moitié dans le sol. Et c'est parti. Je bung. Alors du coup, on va l'enlever là par contre cette fois-ci pour prendre une petite photo. Hop. Nickel. Hop. Parfait. Identification, bonjour, c'est moi. Hop, nickel, je bung. Ici, on va allumer ceci. Et puis, c'est bon, du coup. Ouverture des portes. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Hop, voilà, on dit plutôt mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue sur le réseau des bus verts du Calvados. On va desservir Wurzburg ainsi que Nürnberg. On a 8 passagers. Dresden, non madame, désolé. Monsieur Nürnberg, pas de soucis. Madame Wurzburg. Monsieur Nürnberg, avec plaisir. Bonjour madame. Nürnberg, je vous imprime votre billet. Hop, le voici. Monsieur Nürnberg aussi, pas de problème. Hop. Je bung. Okay. C'est bon, c'est fait. Madame. Oui. Hop. La sœur de madame. Écoutez. Même sœur jumelle, quand même. Et enfin, monsieur. Nickel. Hop. On prend une petite photo. Nickel. Oh non, la livrée est quand même plutôt sympa. Ça fait vraiment un peu naturel, quoi. Voilà, bus vert, de toute façon, c'est que ça fait un peu nature et tout. Le cheval assez aérodynamique, le petit bateau. Enfin, même un voilier, une pomme. Une pomme. Et encore une pomme à l'arrière. Voilà. Voilà. Hop. Oh, il est joli comme ça, le bus, je trouve. L'arrière est vraiment hyper stylé. Ok, conseil général du Calvados. Eh ben, nickel. Nickel. Hop, du coup voilà un petit peu la soute, comment ça se présente. On peut ouvrir aussi ici les différentes portes. Voilà. Hop, allez, referme-moi ça. Nickel. J'ai hâte aussi qu'ils adaptent la fréquence des passagers, parce que moi je vous dis, enfin franchement,
On fait rouler un Neoplan Skyliner, il n'y a pas que 8 personnes dans le car. Enfin, vous voyez, là, il y a vraiment quasi personne. Donc bon, c'est pas hyper rentable. Mais j'espère que les développeurs de Fernbus changeront un petit peu ça dans le futur. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu... Voilà, c'est clairement un petit peu tendu. Allez, c'est parti, démarrer le voyage, let's go. Petit clignotant, et c'est parti. Pour notre travel en direction de Nuremberg. Du coup, c'est un petit peu loin quand même, donc je pense qu'on s'arrêtera pour cette vidéo à la station essence, ici. Je veux bien voir, de toute façon, j'ai une pause à faire. Ok, après Nuremberg, ok. Très bien, très bien. De toute façon, on roule, on verra bien. En termes de temps au niveau de la vidéo, où est-ce qu'on en est? Et du coup, let's go. Hop. Nickel, on entend le petit bruit du chauffage. Et là, à droite. J'ai failli me prendre le camion, en fait. J'ai cru qu'il était voie de gauche. Bizarre. J'étais persuadé qu'il était voie de gauche. Oula, est-ce que je touche, là? Non, je touche pas. Presque. Presque, presque. De toute façon, hein, mesdames et messieurs, on est chauffeur ou on ne l'est pas. Hein. Donc, bon. Voilà, voilà. Oups, petit trottoir. Et c'est parti, du coup. Enjoy. Enjoy, enjoy. Hop. On va se mettre un petit régulateur à 50. Ouais, non, bon, ça sert à rien. On a un feu rouge devant nous. On va par contre dézoomer le GPS, c'est plutôt important. Voilà, nickel. Hop. Allez, d'aider le chauffeur routier. Avance, s'il te plaît. Oula, petit orange, bah, tant pis. Même rouge. Feu rouge, feu rouge. C'est mal. C'est mal, c'est mal. Yep. Bah, pour l'instant, c'est toujours tout droit. Hein. Donc bon, ça va. Ah, là par contre, on s'arrête. Hop. Bah du coup j'ai pas grand chose à vous dire, mesdames et messieurs, hein, au niveau de cet épisode. Bah de toute façon j'ai généralement j'ai des choses à vous dire quand bah tout simplement il y a des mises à jour des développeurs. Là pas grand chose à vous dire au niveau des retours du dernier épisode. Bah merci à vous une fois de plus, retour très positif avec la livrée de Yannick, qui était franchement quand même très très joli, hein. On va pas se le cacher. Et du coup, voili voilou. Alors apparemment, en plus, si j'ai quand même quelque chose à vous dire, parce qu'il y avait un abonné qui dans la dernière vidéo Fernbus m'avait dit, donc apparemment les développeurs avaient annoncé qu'ils allaient faire une refonte de la physique du jeu. Donc ça c'est bien cool. C'est bien cool, c'est bien cool. J'ai pas vu cette info passer. Ça a certainement été annoncé sur leur Facebook. Donc pourtant que je suis activement. Donc bon, bizarre. Bizarre, bizarre. Mais bon, apparemment ça a été annoncé. Donc c'est cool. Et puis, hâte de voir ça, quoi. Hâte de voir ça. Hop. Hâte de voir aussi ce que va donner The Bus. Du coup, dont le jeu dans lequel je... Enfin... Le jeu dont je vous ai parlé voilà un petit peu la dernière fois, donc le jeu de simulation de bus qu'ils sont en train de développer. Hâte de voir ce que ça va donner, mais bon, voilà, on verra bien. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, on attend avec impatience les futurs DLC et futures mises à jour de Fernbus Simulator, parce que c'est vrai que voilà, même si les développeurs sont quand même assez actifs et tout, voilà, ils publient des mages plutôt bah, généralement tous les mois. Là, pour le coup, ça fait quand même 2 mois qu'on n'a rien eu. Donc bon, c'est vrai que... Bah, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des périodes un petit peu creuses comme ça. Où les, y a, voilà, il n'y a pas grand-chose en termes de contenu. Et du coup, bah, c'est un petit peu dommage, entre guillemets. Mais bon, en plus, voilà, le truc aussi que la communauté attend beaucoup, c'est le... Avance, c'est le logiciel de modding. Donc le Modding Tools. Qui devrait sortir et qui va permettre de, du coup de créer des maps dans un premier temps et ensuite à l'avenir des cars. Voilà, ça a été annoncé, on pourra créer des cars. Donc bon,
censé être le futur. S'il y a autant de mods, ce dont je doute fort, que sur OMSI 2, ça va être clairement un bonheur absolu, mais je pense que ça peut être bien bien stylé, mine de rien. Donc bon, nous verrons tout ça. Il y a quand même beaucoup de feu là dans la sortie de Munich. Pas mal de circulation aussi. Donc bon, on n'avance pas trop, on a traversé la moitié de la ville et on n'est toujours pas sorti. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est KN comme ville. Pour ceux qui ne savent pas, au niveau des plaques allemandes, en fait, les deux lettres ou les trois lettres qui sont à gauche de la plaque d'immatriculation, donc comme j'ai ici sur mon car, écoutez, c'est la ville dans laquelle, le véhicule a été immatriculé. Bon, bien sûr, si vous habitez à Pétaouchnok, on prendra la plus grosse ville à côté de Pétaouchnok. Mais ça permet d'indiquer la provenance, en fait, tout simplement, du véhicule. Et donc moi, j'ai un cas, comme vous pouvez le voir, donc ça veut dire que mon bus, en tout cas mon car, a été immatriculé à Köln. Par contre, là, je me suis un peu fait avoir, mais genre vraiment, je me suis dit, je vais aller à gauche, ça ira plus vite, mais laisse tomber, en fait. Par contre, j'ai pas compris, bah oui, c'est stupide, en fait, parce que mon feu, il va tout droit. Donc s'ils mettent feu tout droit et à droite, logiquement, pour ceux qui vont tout droit, le feu devrait être vert aussi. Bizarre. Mais bon, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, donc mon véhicule a été immatriculé à Köln, puisque c'est là où j'ai décidé de commencer le jeu. Regardez, c'est un petit radar, ça. Voilà, le truc un peu spécial, le truc un petit peu fourbe. Et donc du coup voilà, après s'il y a une lettre, deux lettres, trois lettres, ça dépend de l'importance de la ville entre guillemets. Donc mettons les grosses villes vont avoir qu'une lettre, les villes de taille moyenne vont avoir deux lettres, et les petites villes entre guillemets vont avoir trois lettres quoi. Voili voilou. Du coup si vous avez un gros B dans la plaque d'immatriculation, ça veut dire que le véhicule a été immatriculé à Berlin. Voilà. Lui mettons il a un TS, je vois pas ce que ça peut être. Après, je connais pas non plus énormément de villes en Allemagne, hein, c'est vrai. Lui, il vient de SLK, laisse tomber. Hein. Laisse tomber. Oula, mais pourquoi il a pilé en plus? Hop. Voilà, j'avais pas vu que je devais tourner à gauche. Mais bon, nickel. BGL, SLK. Je connais pas, si c'est un M du coup ça doit être Munich, parce que Munich c'est quand même une grande ville. K comme je vous ai dit c'est Köln. F c'est Francfort. Regardons, voilà. On va jouer au jeu des plaques d'immatriculation du coup. Bon, vu que je connais rien c'est pas évident. Et puis avec l'effet de flou, c'est encore moins évident. Hop. Nickel, allez let's go. C'est parti. Alors, il doit me céder le passage. Je fais quand même mon angle mort à droite. Parce que des fois, il y a des conducteurs un petit peu étranges, hein, qui ne veulent pas vous laisser passer. Je dis ça, je dis rien. Allez, copain, avance. Avec ton multivan. Hop, let's go. Donc, pour l'instant, aucun passager ne s'est plaint. Donc, c'est bien, c'est cool. C'est cool. Ça veut dire qu'on conduit pas trop mal. Voilà. Hop, est-ce que tu me laisses passer? Ouais, merci copain. C'est sympa. Bon, j'ai un peu forcé, mais d'un autre côté... IRL, il se décalerait sur la voie du milieu. Hop. Parfait. Le revêtement a été refait ici, ouais. Ça a l'air d'être une autoroute assez récente. Ouais, parce que là, on est sur du revêtement vraiment très récent. Récent. Voilà. Noplan Skyliner, il est quand même hyper haut en fait en ce car. Il est vachement haut quand même. Par rapport aux autres cars qu'on a, vous allez voir, on va se redoubler par un collègue. Il est hyper étroit et hyper haut. Vous voyez, lui, il est beaucoup plus grand quoi. Par contre, c'est moi, notre bus il pollue comme jamais là.
Ouais. Les bus verts du Calvados, clairement pas si verts que ça. Hein. Notre véhicule, il pollue comme jamais. Ok, bon, par contre, on va arrêter ce régulateur à 80, puisque bon, c'est 100 km/h ici, quand même. Donc avançons. Avançons, avançons. C'est vrai qu'on pollue pas mal, hein, donc on va pas trop regarder à l'arrière. Hein. Voilà, bon, on va se focaliser sur l'avant. Parce que c'est vrai que clairement, là, il y a un petit peu beaucoup de poussière. Hein. Clairement. Hop. Bon, on va redoubler le collègue du coup. Si la voiture le veut bien. D'accord, elle a pas l'air de le vouloir. Pas de soucis. On va la laisser passer. Hop. Nickel. Nickel, nickel. Bon, on n'a pas de contrôle de police, c'est cool. Généralement, il y en a pas mal au niveau des stations. Parfait. Bon, c'est fluide. C'est fluide, c'est cool. Tout roule. Nickel, nickel. Et du coup, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, mesdames et messieurs, que vous êtes bien remis dans le bain de l'école ou du travail. Voilà. Ça dépend pour les différentes personnes. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui travaillent, mine de rien. Et on n'est pas tous encore des petits écoliers. Petits ou grands écoliers, d'ailleurs. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je peux vous dire que mon emploi du temps est assez chargé. En tout cas, plus chargé que ce que je pensais. Du coup, ça va être un petit peu compliqué de tenir le rythme. Je vais tout faire. Le programme bouge pas. Pour faire des streams les vendredis soirs, j'en avais parlé. Je sais pas si ça va être envisageable. Mais voilà, je vais tout faire pour continuer à tenir le rythme, quoi. Mais c'est vrai que c'est... ça va pas être évident, voilà, je vous le dis franchement, ça va pas être évident du tout. Mais bon, comme d'habitude, hein, je vais faire mon maximum, mesdames et messieurs, pour vous assurer votre petite vidéo du soir entre 19h et 21h, je le rappelle, ou 21h et plus quand j'ai oublié ou quand j'ai eu un souci, ce qui peut arriver. Mais voilà. J'ai cru qu'il y avait eu un accident devant. Mais là on passe vraiment dans un endroit assez sympathique. On n'est pas passé beaucoup par ici. Mine de rien, je sais pas pourquoi il a freiné lui avec son Vito. Il s'est dit ouais tiens on va freiner, ça a l'air drôle. Mais ouais non, ici c'est pas... D'un autre côté c'est une route comme assez excentrée. Et généralement on a plus l'habitude de passer sur des routes par là ou encore par là. Voilà, c'est un petit peu tout ça si vous voulez le gros secteur quoi. Je vais pas trop dans le nord etc. Mais ici, ouais, c'est assez excentré au final et assez éloigné de tout. Donc j'ai pas spécialement l'habitude d'y aller souvent, quoi. Pour le coup, c'est vrai que généralement, j'ai plus l'habitude de rester un petit peu dans le centre. Ah, il y a la police en face. Police. Du coup, nous. Alors je sais pas s'il faut se mettre voie de gauche. Non, j'ai pas l'impression. Non, tout... Ok, non. Les deux voies vont tout droit, donc nickel. Pas besoin de changer de voie, direction Nuremberg. Hop. Nickel. Alors par contre c'est limité à 80 ici, hein. C'est pas limité à 90, enfin je pense, mon GPS me dit 100 en fait, mais généralement au niveau des échangeurs c'est 80, j'ai pas vu le panneau. Hop. Petite descente. Ouais non, c'est vachement sympa par ici. C'est vachement sympa. C'est moi ou... What? Que se passe-t-il? Ok, ça tourne mal. Interpellation en pleine autoroute. Ça... Ouais. Bizarre. Bizarre. Il se passe des choses des fois, hein. Vous savez, je comprends pas tout. Hein. Je comprends pas tout, j'avoue. Mais certainement un bug, en fait. C'est peut-être des véhicules qui étaient sur la... sur la bande d'arrêt d'urgence qui soit en mal spawné, soit se sont fait percuter. Et du coup, nous, on va s'arrêter à l'aire d'autoroute qui va être juste ici. Parce que le temps de rentrer dans... d'arriver à Nuremberg, ça fera 30 minutes de vidéo. Et le temps d'aller à l'arrêt
Une fois qu'on est arrivé à Nuremberg, faut quand même rouler un petit peu dans la ville. Et bien, ah bah de toute façon on a un contrôle de police nickel. Et bien le temps de... Mesdames et messieurs, le temps qu'on va mettre pour arriver à notre arrêt, bah ça fera encore 10 minutes, du coup ça va être une vidéo un petit peu longue. Du coup voilà. Hop. Nickel. Petit contrôle de police, on en a l'habitude. On va demander à tous les passagers de bien s'attacher de préférence. Parce que des fois il y en a qui sont pas attachés. Donc bon, nous vous rappelons que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Voilà. Voilà, voilà comment qu'elles disent les madames dans les cars de transport scolaire. Hop. Nickel. Nickel, nickel. Petit contrôle de routine. Comme d'habitude. Hop. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs la police. Oula, je peux pas bouger ma caméra quand on est comme ça. Non, je peux pas. Ok, très bien. Vous voyez, j'ai dit attachez-vous. 10 sur 10, c'est rare en plus qu'on ait tous les passagers qui soient attachés. Nickel. Merci beaucoup, messieurs, dames, les policiers. Alors, par contre, je vais pas me mettre sur les places ici parce que généralement il y a toujours un véhicule qui nous spawn dessus et ça fait pas du bien. Donc, je vais mettre derrière en fait. Vous savez quoi, je vais mettre derrière. Je vais les laisser passer et je vais reculer sur la station service parce qu'en fait, si je me stationne là, si vous voulez, c'est l'emplacement poids lourd. Donc, de base, j'ai le droit d'y stationner. Mais le souci c'est que après quand je relance mon jeu, et les véhicules me spawnent dessus. Donc c'est pas top top quoi, clairement. Est-ce que je peux y aller? Ouais. C'est bon. Allons-y. Let's go. Hop. Nickel. Nickel, nickel. Aïe. Oups. Excusez-moi. Je suis désolé. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Oula. Ça fait mal, là. Aïe. J'ai tout défoncé, là. Oups. Excusez-moi. Le trajet aurait pu être parfait jusqu'à ce moment-là. RIP. Devant les flics, en plus. C'est pas très malin. Ouais. Le bas de caisse, là, il a pris cher, je crois. RIP. Bon bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur Fernbus Simulator, mesdames et messieurs, ça m'aura fait très plaisir de vous la tourner. Du coup, on était en Neoplane Skyliner, bus vert du Calvados. Pour avoir le bus, c'est un DLC, lien dans la description. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, il a disparu le panneau, ok. Ok, du coup, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.